Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui beaucoup de news, beaucoup de bonnes petites nouvelles, des bonus et tout et tout. On va voir ça ensemble. Levin et Schneider en version club, en version Bayern de Munich. Parce qu'on a déjà eu Levin version Cologne et notre ami Schneider version Hambourg. Là, c'est l'arc vraiment, vraiment l'arc Road to 2002, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, Road to 2002, où ils sont enfin ensemble avec Shun Kosho. Voilà, dans la vidéo d'intro, vous avez vu Shun Kosho faire un tir avec Levin et Schneider. Donc c'est le seul, enfin c'est le tir qui a réussi à battre Wakabayashi lors du match Bayern-Hambourg face à Kals. Il y avait Kals aussi qui était en face, qui avait insulté, je crois qu'il avait insulté, pas insulté, mais qui avait nargué Schneider. Bref, on est parti. Donc apparemment, ça serait un portail à 3%. Voilà. Alors, recrutement. Voilà, bon, on va les détailler après, ne vous inquiétez pas. Bah, attends, tiens, hop. Taux de probabilité, on va voir ce que c'est. Ah là 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 là, les chargements, je vous jure les amis, c'est un truc de ouf. C'est un truc... Ah voilà, bon 3%, donc c'est bien ça. 0,42, bon ça va, ils sont right up quand même, faut pas déconner. Ok. Hop, fermé. Attends, s'il y a peut-être un bonus. Voilà, donc 5 Dream Ball, le dernier jour des récompenses été. Donc, voilà. Ah non, je me suis trompé, c'est pas c'est pas le jour, ça sera demain pour moi, les 5 DB. Ok, elle est pas mal l'image avec Levin, Schneider et Shun Kosho. Donc là, aujourd'hui, on a un ballon CSR plus 5, 1-2. Voilà, demain ça sera une frappe, passe, 1-2, dribble, frappe et 1-2. Donc il y a beaucoup de 1-2. Donc 1-2, attends, on est à combien de... On est à 15. 10 pour les frappes, juste 5 pour passe et dribble 5. Ok, on prend, hein. De toute façon c'est gratuit. On prend. Normalement aujourd'hui on a reçu des Dream Ball, beaucoup de Dream Ball je crois. On va voir dans le cadeau. Normalement on a reçu des Dream Ball par rapport au KGS et 50 Dream Ball pour le Discord, par rapport à Discord. Voilà. Donc plus, alors, et en plus, une pour la blague. Donc on a 69 Dream Ball. Voilà, dédicace au Lyonnais. Mon ami Bigito par exemple. Alors, eh ben, écoute, on va accepter. Hein, de toute façon, voilà, hop, on va voir ça nous monte. On va monter à combien? 277 Dream Ball. Hop. Bon, moi je les garde pour Ochado, les gars. Quand j'ai vu Ochado sur la bannière Dream Championship, ça veut dire qu'il va bientôt sortir. J'attends. Boutique. Normalement, je crois qu'il y a une Dream Ball à récupérer. Que j'ai pas récupéré à 2h du matin lors du reset. Ah non. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas la Dream Ball. C'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Je regarde s'il n'y a pas des petits packs pas trop chers. Bon, il y a le fameux pack à 10€ avec 50 Dream Ball, entre guillemets, gratuit. Tu les payes, mais c'est des Dream Ball gratuits. C'est magnifique, ce jeu est complètement magnifique. Ah bah tiens, les médailles Munich. Donc forcément, c'est 60, voilà, 75 médailles. Donc si vous lâchez 350 Dream Ball... normalement vous récupérez au moins un des deux joueurs garanti, mais il faut lâcher 350 Dream Ball. Voilà, voilà. Donc là c'est des ballons. Bon, ouais, non, les pièces Munich, ça sera vraiment pour les joueurs. Donc ça c'est le nouvel event, 30 pièces nouveau monde, donc nouveau farm. Voilà, hop.
Interception forcée de notre ami Thuram. Thuram que j'aimerais bien avoir. J'aimerais bien avoir, parce que je trouve le joueur stylé en plus. Je trouve vraiment le joueur très stylé. Marché de Dreamball, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des nouvelles choses? On a l'arrêt de Genzo. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Je sais pas s'il est super fort ou pas celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a en ce moment-là? On a pas grand-chose. Ok. On va aller voir vite fait les infos. La vidéo va durer un peu longtemps. Hein. C'est pas comme le Dreamfest où ça a été, où il y avait rien. Je vous ai fait que Genzo et c'est terminé quoi. Allez. Alors campagne. Ah, il y a le nouveau potentiel de Schneider Munich. D'accord. Oh! Attends, mais c'est un nouveau SSR ça? De Oeran. Le 8 septembre. Oh! Ah, comme ça, vous le balancez comme ça en mode Balek. D'accord. Bon, s'il n'y a que Oeran à présenter, je vais pas vous le faire en vidéo, les gars, ça sert à rien. Mais Oeran sans son turban. D'accord. Sans son hijab. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on verra. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, les gars, ça sera all-in sur Ochad, on a rien à foutre. Hein. Rien à foutre, les gars. Alors, attends. Alors, nous, ah, mise à jour. Ah, la fameuse mise à jour. La fameuse mise à jour. C'est quoi? Attendez. Ah oui, non, c'est mon rendez-vous pour demain. Alors, tac, 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 tac. Donc ça aura lieu le 18, 18 septembre. Changement du match, du matching, du nombre de matchs possibles. D'accord. Régulation. Permise hein, effectuée. Ok. Bon, ça c'est de la ligue, j'en ai un peu rien à foutre. Réapprovisionnement ticket de ligue. D'accord. Ah, c'est tout? Attends, c'est... Bon, ok. De toute façon, on verra ça le jour J, les gars. On va détailler tout ça le jour J. Alors, tac, tac, tac. Bon, malheureusement, on peut même pas voir un peu le nouveau Oeran. Le potentiel, c'est quoi? Ça qui est énervant, c'est que leur news, il y a des news cachées dans la news, quoi. Ça, c'est super relou, ça. Ah, voilà. Ah oui, ça, c'est le... je crois que c'est un 1-2, je crois. Un 1-2, c'est un event A80. De Shunkushu. Donc ouais, d'accord. Complètement libre. De toute façon, ça a toujours été complètement libre. Maintenant, je crois. Maintenant, ils ont complètement laissé ça OZEF complètement. Ok. Bon, on va revenir. On va voir le tout dire. Voilà, celui-là, campagne. Je crois qu'il y a le. Je crois qu'il y a de la story, je crois. Il y a 32 dB à récupérer, je crois. Soit c'est sur la story, soit c'est sur le farm. Marché. Donc ça on l'a vu. Il y a un Dream Pot. Ok. Un nouveau Dream Pot. D'accord. Ok. Le Levin, on peut récupérer sa frappe. Ça, c'est pas mal. Voilà le nouveau scénario. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc 32 dB à récupérer. Et là, c'est quoi? Ça doit être le. Ah oui, c'est les. Ouais, donc, ok. C'est le farm limité à une journée. À une fois par jour. Ok, d'accord. Ok. Mission événement. Le 4. Ah, bah oui, c'est. Campagne nouveau. Ok, mission. Bon, ça, c'est la boutique, 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 boutique. D'accord. Ok. On va voir. Qui ça sert le 7e jour. D'accord. Ok. On va voir s'il n'y a pas des bonus événements. Oui, il y a bien des événements. Ok. Bon, faut faire les scénarios 6 fois. Dépenser de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh bah ça va, y a pas de. Y a... Ça va, c'est vite fait en vrai. Faut juste tu farmes. Tu farmes et t'as tout. Ok. Oh, y a le maillot de Hambourg à récupérer. Ok. Maillot Hambourg extérieur, le maillot du gardien. Donc ça c'est le maillot pour Genzo.
Oui, je suis à 954 jours de connexion. Oh, je sais qu'il y en a, ils ont déjà dépassé les 1000. Sans problème. Ok, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, recruter. Ah bah tiens, il y a une DB. Je vous la fais. Allez, on l'a fait pour le fun tout de suite comme ça. Direct, on la claque. Allez, on la claque comme ça. C'est fait. Et on a rien. Ok. C'était pour la blague. Bobang. Ok. Une pièce Munich. Ok. Bah j'espère que ce. Franchement, j'espère que ce système de pièces va être tout le temps là. Comme ça. Par exemple, moi, demain, je vise au château. J'ai mes 350 Dream Ball. Si je l'ai avant, bien évidemment, je suis super content. Mais au moins, je sais que je vais l'avoir. Quoi qu'il arrive, je vais l'avoir. Et je vise vraiment que ce joueur-là, tu vois. Et c'est ça le truc qu'on veut, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer par le Schneider rouge. Donc forcément, Shunkosho va sortir. Bientôt, hein, normalement. 1203 d'endurance, donc Munich, donc club, hein. Allemand, bien évidemment. 22 331 en attaque, 6364 en dribble, 8722 en tir, 7245 en passe. Là où il va être intéressant, ça va être son leader skill, on le verra après. Donc défense, le tacle, et puis ça va, quasiment 6000 en tacle. Physique. Presque 19 000, on va arrondir à 19 000, hein, les gars. 7282 en puissance, le reste ça va. Ça va, technicité, c'est presque 6000 aussi. Bon joueur, bon tireur. Voilà. Donc après, il faut voir avec les boosts, l'éveil du potentiel, comment ça peut augmenter, etc. Mais bien, déjà 1203 d'endurance, c'est déjà bien. C'est très très bien. Alors lui, il donne à tous les non-jab rouge. 20%. Donc, si vous manque un leader skill rouge pour le nouveau lead, 20%. Donc, ça c'est bien. Ça, c'est les gros points forts des deux persos qu'on va voir aujourd'hui. C'est leur leader skill. Tueur de contre. Donc, quand le défenseur va faire un contre, plus 30% sur tous les paramètres. Donc, vous avez vu le tir va sacrément monter, quoi. On est sur quoi? On est sur du 8700. Ah, donc, ouais, il va monter à 10 000. 10 000 la frappe. La frappe va être à 10 000 et quelques. Après, le truc, est-ce que quand le ballon va arriver au gardien, est-ce qu'on a encore ces 30%? C'est ça que je me pose comme question. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous avez la réponse sur ce passif-là. Par exemple, voilà, si on fait le contre, donc il aura son boost. Mais est-ce que le boost va continuer pour la prochaine commande face au gardien? Ça j'aimerais bien savoir. Rugissement du dragon, donc Dragon's Roar. Donc je pense qu'ils auraient dû quand même laisser comment dire, le nom en anglais, parce que bon, voilà. 510, pas mal. Pas mal, ça y est, on commence à dépasser les 500 normales, les gars. Mais malheureusement, voilà, pour ce tir, il va falloir 3 joueurs. Bon, Shunkosho, n'importe lequel. Hein. Je pense que vous êtes tous un Shunkosho quelque part. Mais voilà. Voilà. Jeu de passe rapide, donc 1, 2. 295, c'est tout. Wesh. 295 pour 320 de stam. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois la stam. Supérieur à l'intensité. Ah ouais, d'accord. Vous êtes sérieux, les gars? Schneider, Chao et Levin, d'accord. Enjambé du feu, on le connaît. Ok. Bah là, comme ça, les gars, écoutez. Là, comme ça, déjà. Bon, attention. Déjà, je lui mettrai un deuxième tir pour le Schneider. Je mettrai le tir du Dream Phase V2 pour commencer. Tu lui mets le triple S par exemple. Ouais, un triple S. Ouais, triple S, triple S. Ouais. Parce qu'en fait, le problème. Bon, on n'a pas encore vu. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On n'a pas encore vu les. Voilà, là, donc le lien. Il donne 2% à tous les joueurs. D'accord. Il faut exactement 5 jours verts. Putain, 5 jours en joueur. Putain. Ah là là, je te jure. Bon, il résiste aux flaques d'eau et à la pluie, ok.
Tueur de type. Oh ouais, ah ouais, d'accord. Il tue les joueurs de type visette. 15%. Donc là, c'est déjà bien. Donc là, ça va être déjà bien. Face à des joueurs bleus, ça va. Bah, en fait, face au nouveau Genzo. Voilà. Le Genzo Dreamfest. Voilà. Et face aux joueurs. Bon, en fait. Il va tuer Genzo, en fait. Lui, c'est le tueur de Genzo Dreamfest vient de sortir. Il va le tuer déjà. Enfin, bon, il va pas le tuer, mais c'est quasiment un anti, quoi. En fait, bon, c'est bien, hein, ça colle au manga et tout, c'est très bien. Mais c'est what the fuck, quoi. Donc, il va prendre 25%. Déjà, il a 25% sur ses stats, tu vois. Voilà. 25%. Bon, bien évidemment, tous les défenseurs bleus, club aussi. Je sais pas si le Thoram est bleu. Je crois qu'il est bleu. Bon, il y a un des deux Thoram qui est bleu, je crois. Soit le Dreamco, soit le 3%. Ah ouais, lui il va tuer. Ah ouais, le pauvre. Ah ouais. Ah ouais. Il va le tuer. Je crois que pourquoi ils mettent le lien vert, c'est sûrement parce que je crois que Levin est vert à côté. On va voir ça tout de suite, mais je crois que Levin est vert. Ouais, c'est pas mal. 25%. Là, on n'est pas trop mal. Là. Donc ça va booster, c'est. D'accord. Mais il va tuer comme il s'appelle. Hein. Il va tuer le nouveau Genzo. Genzo, il vient de sortir, frère. Donc voilà, donc ce que je disais, Levin est vert. Donc voilà, on a déjà le premier joueur à 5% pour activer le lien. Mais bon. Alors, Levin, 1141 en endurance Munich. 22 374, c'est pas mal. 6878 en dribble. Ouais, c'est vrai. Ouais, on aurait pu monter à 7000. 8220 en tir, pas mal du tout aussi. 7276 en passe. Fort. Voilà, 8200, c'est très très fort. Je sais pas si on n'est pas loin du Levin le plus fort en frappe là. Faudrait peut-être voir le Levin Cologne. Je pense que Levin Cologne ou voir le Levin World Cup 2020 aussi. Faudrait peut-être voir comparer en termes de frappe. Bon, en tout cas, je pense qu'il fait partie facilement du top 3. 14 869 en défense. Interception pas mal. 6120 en interception. Et 19 105 en physique, donc 7282 comme notre ami Schneider en puissance. Ok, lui il en a tous les joueurs verts, non jab plus 20%. Ok, et c'est un tueur de joueurs bleus plus 15%. Ouais, le passif il s'active que quand tu seras face à un bleu. Face à un bleu. Donc ça veut dire qu'il s'activera pas toujours, à part bien évidemment qu'on va voir les compétences du potentiel. Donc Dragonzrohr comme Schneider, jeu de passe rapide comme Schneider, et lui par contre il a la passe à la Levin. Ouais. Je lui mets la frappe du Cologne, je crois. Voilà, Cologne ou peut-être celui de. Ah bah non, il n'a pas de tir le World Cup, donc c'est souhait, c'est la frappe du Cologne. Frappe de Levin Cologne que je lui mettrais. Peut-être le dribble, ouais. On va voir c'est quoi déjà. Ah non, passe, là, ouais, passe, il est pas mal. Ouais. Une passe S. Peut-être une petite interception histoire de. Ok. Alors, lui, le lien 2%. Ok, donc voilà. En fait, les deux se rejoignent un petit peu. Hein. Voilà. En fait, Levin et Schneider, il va falloir une équipe hybride vert et rouge. Voilà. Vert et rouge. De n'importe quelle nationalité, de si c'est club, pas club, ça s'active. Voilà. Faut juste que c'est juste par rapport aux couleurs. Donc lui reste au flaque d'eau et lui c'est un tueur d'arrêt, 15%. Donc un frappeur. Donc lui ça va être vraiment frappeur, frappeur. C'est dommage parce que je le verrais plus comme. Je l'aurais bien vu. Plus comme un milieu offensif. Après, c'est un attaquant. Attaquant milieu offensif. Donc, tu peux le jouer en attaque. Tu peux le jouer en attaque. Donc, vraiment, vraiment, lui, il est vraiment destiné à l'attaque, hein, Lévin. Voilà. Vraiment destiné à l'attaque. Bon, bah, je crois que les gars, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. On va juste rapidement voir les events. Scénario. Et après on va se laisser là les gars. On va se laisser là. Donc là c'est ouais d'accord, le scénario est là. Événement. Donc ça c'est le limité qui est là. Voilà, donc vous pouvez récupérer des ballons Shunko au Levin et Schneider. Ça c'est pas mal. Là c'est l'event à farm qui est là.
Voilà, jeune Tsubasa contre le mur espagnol. Dommage qu'on n'a pas eu un petit scénario secondaire. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. D'accord, donc là c'est l'event à farm. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour, les amis. On a fait le tour. Juste voir le Shunko. Le Shunko Show Club. Shunko Show Club, je crois que ça doit être là. Je crois que c'est là. Grande rencontre. Le mec, il va jamais à une grande rencontre. Hein. Ok. Attends. Non, là, c'est que des médailles là. Ah, voilà, c'est ici. Il est là. Hop. Attends. Attends. Ok. Il est bleu le Shunko Show. Donc voilà, voilà, jeu de passe rapide S. Ok. Mettre de la surface de réparation. Plus 30%. Et lui donne 15%. Ok. Ok, ok. Au non-jap. Non-jap. Bleu. Bon, je pense que tout le monde doit avoir un, ce genre de leader skill aujourd'hui. Ok. Ok, ok. Bon bah les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo présentation de Levin et Schneider Club Munich. Nous en rendez-vous pour une prochaine vidéo. Hein. Mois de septembre, il va être assez fourni en news sur Captain Tsubasa Dream Team avec la grosse mise à jour, etc. etc. Le nouveau système de par rapport au doublon. Dépassement du potentiel, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça, donc on verra ça ce jour-là. Et moi je vous souhaite bonne chance pour vos poules si vous poulez, voilà, j'espère que vous allez avoir ce que vous voulez, et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, c'est très important, là en dessous vous avez un petit, voilà, là, vous avez un petit bouton rouge, vous appuyez, vous abonnez, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, soit Dream Team soit Rise of New Champion. Je vous kiffe, c'était Letko,